Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La suite de la visite du président de la République à New York, la présence d'Ibrahim Boubacar Keïta à cette Assemblée générale marque le grand retour du Mali devant la scène internationale. Le chef de l'État a eu aujourd'hui plusieurs rencontres bilatérales. Hier, le Mali était la grande attraction lors du déjeuner offert par Ban Ki-moon aux chefs d'État et de gouvernement. Au cours de ce déjeuner, Ibrahim Boubacar Keïta était sur la même table que le président américain et le secrétaire général de l'ONU, un signe qui témoigne de la volonté de la communauté internationale d'aider notre pays dans sa reconstruction. C'est en tout cas la conviction du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, que je vous propose d'écouter au micro de nos envoyés spéciaux. Je voudrais encore remercier le Sawagré Allah, Souhaïna Ouattara, à tout le peuple malien, de cet honneur insigne qui m'a été fait d'être à la table des 10 personnes réunies autour du président Obama. Je lui faisais face. Et ça m'a permis qu'on échange. Déjà, on avait commencé l'échange. Il a tenu à dire à tout le monde dans quelles conditions nous avions été élus. Il a dit à son estime pour le Mali, son souhait de redémarrer de manière vigoureuse la coopération avec le Mali. Il a souhaité que le secrétaire général des Nations Unies accompagne le Mali fortement. Il a souhaité que le président de la Banque mondiale lui aussi appuie fortement les demandes maliennes. Et en ce qui le concerne, lui, la promesse que les États sont à nos côtés de manière puissante et qu'également il souhaite que nous rencontrions très prochainement. Ça a été un grand honneur, pas seulement pour le Mali, mais pour l'Afrique. Vous l'avez vu, j'étais le seul à sa table. C'est dire l'intérêt que notre pays suscite aujourd'hui pour avoir eu ce privilège et cet honneur-là. C'est une table où il y avait le roi Abdallah de Jordanie, où il y avait le président de Costa Rica, où il y avait le président Dalagoul de Turquie. J'étais en compagnie très relevée, très relevée. C'est un signe au Mali nouveau. Et un message aux Maliens. Le monde entier vous respecte désormais, le monde entier vous observe, le monde entier veut vous accompagner pourvu que vous croyez vous-même en vous. Nous croyons en vous, alors croyez en vous-même. Et en tant que président, moi je vous le dis, ma tâche, comme je l'ai dit devant le pays, sera de porter le Mali toujours plus haut. Inch'Allah. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à New York, il était au micro de nos envoyés spéciaux. Prima Koulibaly et Boubacar Touré, le président à New York, ici à Bamako, le chef du gouvernement et ses membres au travail. Le conseil de cabinet se réunit ce jour, 25 septembre 2013, sous la présidence donc du premier ministre chef du gouvernement dans la salle de conférence de la primature. L'ordre du jour portait sur les échanges autour des problèmes récurrents de l'heure. Pour en savoir davantage, je avec moi Ibrahim Adjambili. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Esteta Ibrahim, mesdames et messieurs, bonsoir. Au titre du ministère de l'économie et des finances, le conseil de cabinet a entendu une communication relative aux données essentielles du marché des produits pétroliers. Il s'agit entre autres de l'approvisionnement des niveaux des stocks dans les dépôts, de la disponibilité des produits dans les stations-service du district de Bamako dans les capitales régionales dont les données sont disponibles. Au titre du ministère de la Sécurité, le Conseil a été informé de la situation sécuritaire du pays. Au titre du ministère de l'Administration territoriale, le Conseil a entendu une communication relative au démarrage des opérations de révision annuelle des listes électorales au titre de l'année 2013. Au titre du ministère du Travail, des Affaires sociales et humanitaires, le Conseil de cabinet a entendu une communication relative à l'organisation du 1er au 31 octobre 2013 de la 19e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Cette année, le thème retenu pour le mois est la solidarité, un support essentiel de l'action humanitaire. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, le conseil de cabinet a entendu une communication relative à la célébration de la journée internationale de l'alphabétisation, édition 2013. Le thème retenu cette année au niveau national est alphabétisation, décentralisation et paix pour un développement durable.
Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le conseil de cabinet a entendu une communication relative à l'évolution de la situation épidémiologique et des actions de riposte aux maladies à déclaration obligatoire et à potentiel endémique, comme la méningite, la rougeole, la fièvre jaune, la paralysie flasque aiguë, le ver de Guinée, le choléra, le paludisme présumé dans les régions du Nord, la grippe aviaire AH5N1 et grippe AH1N1. La situation épidémiologique reste calme, indique le communiqué du Conseil des cabinets de ce mercredi présidé par le Premier ministre Oumar Tatamli. À cet Ibrahim, à vous. Merci Ibrahim Adjombele. Nous poursuivons avec le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information qui a rencontré aujourd'hui les membres du groupement professionnel des agences de communication GEPAC au centre des échanges, les problèmes liés à la multiplication des agences de communication et les propositions de solutions pour limiter cette prolifération. Fadim Baketa. Premier du genre, ce déplacement du ministre vers les agences membres du GEPAC, groupement professionnel des agences de communication, explique la volonté du chef du département de répertorier les problèmes de ces structures. Ainsi, à travers une projection, le président du GEPAC a présenté les missions de sa structure. Occasion pour lui de décliner certaines de ses préoccupations. Notre plus grande préoccupation, c'est d'abord la loi sur la publicité au Mali, qui n'a malheureusement pas pu être votée lors de la dernière session de l'Assemblée nationale, malgré nos multiples pressions. Nous avons aussi quelques soucis par rapport à la mise en place de la future autorité de l'audiovisuel, qui ne prend pas en compte dans sa composition les membres des agences. Le ministre assure avoir pris bonne note des préoccupations soulignées. Considérons le GEPAC comme étant un regroupement d'agences de communication qui sont des acteurs essentiels du secteur de l'audiovisuel. Il est important qu'en tant que responsable en charge de la gestion de ce département, que je vienne voir et échanger avec eux. Ce sont des dossiers qui sont en instance, mais qui seront gérés dans les jours à venir. À sa création en 2010, 36 agences de communication étaient membres du GEPAC. À ce jour, on dénombre 52 affiliés. Le groupement professionnel des agences de communication se fixe comme objectif essentiel promouvoir et protéger les intérêts vis-à-vis des pouvoirs publics et des organisations à caractère officiel, privé ou syndical. Et le ministre des Maliens de l'Extérieur qui a rendu une visite de courtoisie au Conseil des Maliens de l'Extérieur, il a été accueilli par le président du Conseil des Maliens de l'Extérieur, Habib Silla, au cours de la rencontre avec les membres du bureau. Le ministre Abdramane Silla a décliné certains aspects des priorités de son département par rapport aux Maliens de l'extérieur, notamment la défense des intérêts des Maliens de l'extérieur et de leurs biens, la création d'une banque des Maliens de l'extérieur pour sécuriser les avoirs des Maliens de la diaspora, l'ouverture de guichets fonciers dans tous les consulats et ambassades pour assister nos compatriotes dans leurs transactions et investissements fonciers, la construction de la maison des Maliens de l'extérieur. Notre capitale accueille les délégués d'une vingtaine de pays membres de l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne, Afristat, pour la 28e réunion du comité directeur de l'organisation. Les participants doivent, au cours de cette rencontre de deux jours, réfléchir sur les nouvelles orientations de l'organisation, nous signale Abdrahman Mega. L'évaluation du programme d'activité du premier semestre 2013, l'analyse des difficultés rencontrées et l'élaboration des stratégies permettant à l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne d'être au rendez-vous de 2025. Ce sont entre autres sujets à l'ordre du jour de cette 28e réunion du comité directeur de l'Afristat. Au plan technique, en plus des appuis directs, Afristat a réalisé des actions de formation continue dans les domaines des statistiques d'entreprise, des statistiques des prix, du suivi de la conjoncture économique et de la diffusion et à renforcer ses relations avec les écoles de formation SACI. Cette rencontre de Bamako doit également permettre à ces délégués venus d'une vingtaine de pays africains d'élaborer des stratégies pour une mobilisation accrue des ressources financières. Cette équation constitue d'ailleurs l'une des premières difficultés de cette organisation internationale. Le taux de mobilisation des contributions des États membres est actuellement de 76,7%. Notre mobilisation sur cette question reste insuffisante. Car depuis un an, sur les arriérés s'élevant à plus de 2 milliards CFA, moins de 500 millions seulement ont pu être mobilisés.
Pour mieux cerner le problème et trouver des solutions rapides, les participants à ces assises de Bamako ont 2 jours pour échanger sur plusieurs thématiques relatives aux préoccupations de l'air à la Freestadt, à savoir l'exécution du plan d'activité de la structure au 30 juin 2013 et la situation des contributions au fonds Afristat 2006-2015. Depuis, se tient dans notre capitale également un séminaire de perfectionnement sur les procédures nationales de passation des marchés publics. Il est organisé par l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations du service public en partenariat avec le bureau du vérificateur général. Objectif, renforcer les capacités des cadres des deux institutions sur le respect des procédures d'attribution des marchés publics, leur exécution et suivi. Fadema Keita. Imprégner les cadres participants du contenu du nouveau code des procédures des marchés publics et échanger sur la problématique, tel est l'objectif de cette session de perfectionnement. Par nos vérifications, nous devons amener les entités vérifiées à respecter les procédures d'exécution des marchés publics et prouver par les recommandations que nous formulons que nous remplissons correctement notre mission. Il s'agit pour nous, par notre maîtrise des règles et principes régissant les marchés publics et délégations de services publics, d'influer sur les comportements et les attitudes des gestionnaires et de leurs auxiliaires. Pour l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics, cette formation doit, à n'en pas douter, contribuer à renforcer les capacités des acteurs dans plusieurs domaines, la passation, l'exécution et la réglementation des marchés publics. Au-delà de la vérification financière des entités contrôlées, un accent particulier pourrait être mis sur certains indicateurs, notamment le choix approprié du mode de passation du marché, les règles applicables à la publicité et au délai, les règles de participation et de sélection, la qualité des dossiers d'appel d'offres. La session de formation qui s'étend sur 4 jours est animée par des experts facilitateurs. Elle porte sur 4 modules. Le processus de passation des marchés publics, leur exécution et suivi, la gestion des différents litiges et les techniques de contrôle des marchés. Traditionnellement célébrée le 8 septembre de chaque année, la Journée internationale de l'alphabétisation sera commémorée au Mali du 26 septembre au 2 octobre 2013. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale nous livre un message dont voici un extrait au micro de Inaba. C'est le 8 septembre 1965 que se sont réunis à Téhéran, République islamique d'Iran, les ministres en charge de l'éducation des États membres de l'UNESCO en vue de redéfinir une plateforme de lutte contre l'analphabétisme. Pour marquer cet événement important, le 8 septembre a été retenu par l'UNESCO et toute la communauté internationale Journée internationale de l'alphabétisation qui est célébrée chaque année dans le monde. Pour l'année 2013, la communauté internationale a retenu comme thème Alphabétisation pour le 21e siècle et le Mali a choisi le thème Alphabétisation, décentralisation et paix pour un développement durable. Chers compatriotes, la célébration du 8 septembre cette année au Mali va s'étendre sur une semaine allant du 26 septembre au 2 octobre 2013. Cet événement a toujours été l'occasion pour les autorités de mener des actions de plaidoyer en faveur de l'alphabétisation des populations à la base et de la promotion des langues nationales. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du programme vigoureux d'alphabétisation, 3482 centres d'alphabétisation fonctionnels CAF ont été ouverts. Les centres d'éducation pour le développement CED fonctionnels sont au nombre de 1471 avec 26256 apprenants, dont 12023 filles. Nous poursuivons avec cet avis du Conseil des collectivités. Son président invite les membres du bureau, les conseillers nationaux présents à Bamako et l'ensemble du personnel de l'institution à la cérémonie nationale de lancement de l'initiative CRI 2002
sur la mobilisation des ressources des collectivités territoriales le jeudi 26 septembre 2013 à 9h dans la salle de réunion de l'institution. Tous les pèlerins maliens de la filière gouvernementale sont à Médine. Le dernier vol qui a quitté Bamako mardi est arrivé ce mercredi en début de matinée. Le séjour à Médine pour chacun des convois est de 8 jours. Les pèlerins, à leur arrivée, ont été accueillis par le consul général du Mali à Djedda, Ousmane Diakité, accompagné du délégué général du Hadj, Mamadou Camara. Monsieur Diakité, qui nous parle des améliorations apportées cette année dans l'organisation du pèlerinage. Il est au micro de nos envoyés spéciaux, Abdrahmane Keita, Brahima Touré et Nyanza Koulibaly. Je suis venu à l'aéroport au nom de l'ambassadeur Melabat, au nom du consulat, m'enquérir des conditions d'arrivée de nos compatriotes et des conditions d'accueil. D'abord, par rapport aux conditions d'arrivée, je constate qu'il y a vraiment une avancée par rapport aux autres années, parce que vraiment les pèlerins ont atterri à Médine. L'avantage de Médine, c'est qu'après plusieurs heures de voyage, les pèlerins se sentent beaucoup plus à l'aise par rapport au rite. Parce que vraiment, l'atterrissage à Djedda pose beaucoup de problèmes, surtout par rapport aux personnes âgées. Donc l'avantage de Médine nous permet vraiment d'économiser beaucoup de temps. Ensuite, par rapport aux conditions d'accueil, cette année, les conditions ont été beaucoup améliorées. Le vol s'est très bien passé. Par rapport aux formalités, contrairement aux autres années, il n'y a pas vraiment de prise d'empreinte digitale. Donc cela a permis aux pèlerins vraiment de faire les formalités le plus tôt possible. Et quant à la situation particulière des personnes âgées cette année? Par rapport aux personnes âgées, il y a encore moins de problèmes. Je pense que la formation a eu beaucoup d'effets. Les pèlerins ont suivi les différents conseils prodigués par les différents encadreurs. Le message que je voudrais vraiment faire passer, c'est de demander à nos compatriotes, comme au début, de continuer vraiment sur cette lancée, c'est-à-dire vraiment rester derrière la commission, faire le rite dans l'ordre et la discipline. Environ 100 millions de francs CFA, c'est le coût du financement d'un projet intitulé « Dignité, respect des droits des personnes privées de liberté » de l'association Avocats sans frontières Mali. Le projet, qui dure 12 mois, défendra les droits de l'homme et des peuples. Il devra également contribuer à l'indépendance de la justice et des principes moraux de la profession d'avocat. Moussa Fani. Au cours de cette rencontre d'information et de sensibilisation sur l'accord de Ouagadougou, le chef de l'exécutif régional assisté de ses conseillers a expliqué et lu les 25 articles de l'accord. Dans le préambule, certains principes ont été rappelés, à savoir l'intégrité du territoire, la forme républicaine de l'État et la laïcité. L'objectif d'expliquer, de diffuser le contenu de cet accord, un accord qui a été conclu avec l'assistance de la communauté internationale. Les échanges et les questions ont porté sur les mandats d'arrêt internationaux lancés à l'encontre des leaders de groupes armés, la décentralisation, l'indemnisation des victimes de guerre, entre autres. Nous, on part très satisfaits de la réunion, contenu très enrichissant et surtout de la clarté des débats et des réponses qui ont été données. Ça nous rassure davantage et nous vous assurons que nous serons les porte-parole pour la sensibilisation des populations à la base. Je pense que c'était des échanges très fructueux. C'est vrai qu'à travers la presse et autres, les gens ont entendu, lu dans les journaux, mais cet exercice était important pour partager les points de vue des uns et des autres. Ils ont beaucoup salué l'esprit de cette rencontre et se sont engagés aussi à continuer sur le terrain à diffuser le message. D'autres questions non moins importantes ont été abordées, à savoir les élections législatives et la rentrée scolaire 2013-2014. Nous étions plutôt à Sikasso où s'est tenue une réunion d'information et de sensibilisation sur l'accord préliminaire au pourparlers inclusif de paix au Mali. C'était un reportage
de Idrissa Goulou Sissoko. Voyons à présent le lancement de ce nouveau projet sur les droits de l'homme de l'association Avocats sans frontières Mali, un projet de 12 mois qui, je vous le disais, défendra les droits de l'homme et des peuples. Il contribuera également à l'indépendance de la justice et des principes moraux de la profession d'avocat. Le compte-rendu de Moussa Fané. La consolidation de l'état de droit ne peut être effective sans une attention particulière à la loi pénale. C'est dans ces soucis que l'association Avocats sans frontières Mali vient de lancer les activités de son projet Dignité, respect des droits des personnes privées de liberté. Le projet devra contribuer au respect des droits de l'homme. L'idéal, c'est évidemment d'améliorer à la fois les conditions de la détention et également vérifier qu'il n'y a pas de situation de non-droit dans les prisons. On sait tous que la personne incarcérée est à une difficulté d'accès quelquefois à son avocat et peut être dans des situations de non-droit. Ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Financé à un coût d'environ 100 millions de francs CFA, le projet devra permettre aux détenus d'accéder aux droits. Le projet Dignité et respect des droits des personnes privées de liberté au Mali a pour objectif de contribuer globalement au renforcement du système judiciaire malien, mais aussi et surtout d'accroître particulièrement le respect des règles et garanties minimales dues à la personne privée de liberté au sein du monde carcéral malien. Le Mali, faut-il le rappeler, a ratifié les principaux instruments juridiques internationaux, parmi lesquels la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. L'ensemble des textes nationaux et internationaux doivent être diffusés, connus et confrontés au réel. Le projet Dignité et respect des droits des personnes privées de liberté couvre les villes de Kay, Kati et les districts de Bamako. Près de 65 000 tonnes de mangue produites dans le seul district de Bamako pour une valeur d'exportation de plus de 3,5 milliards francs CFA. C'est le bilan de la campagne 2013. Les acteurs de la filière ont échangé d'expérience pour permettre à l'interprofession mangue d'améliorer ses performances techniques et commerciales. Mamoudou Sidibé, compte rendu. Pour une plus grande valorisation de la mangue au Mali, le bilan de la campagne 2013 de la filière a pris en compte plusieurs aspects. Il s'agit des problèmes liés à l'exportation par voie aérienne, par voie maritime, à la commercialisation dans la sous-région et sur les marchés nationaux. À cela s'ajoutent d'autres contraintes comme le vieillissement des vergers, la prédominance des variétés traditionnelles à faible valeur commerciale. C'est intéressant de savoir la quantité de mangue exportée, vendue, transformée et mangée. Bon, j'espère aussi, il serait aussi intéressant aussi de faire aussi un inventaire aussi des mangues qui ont été perdues. Le seul district de Bamako, selon les statistiques, produit près de 65 000 tonnes de mangue chaque année pour une valeur d'exportation de 35 milliards 500. Face aux nombreux facteurs qui mettent à genoux la productivité de la mangue malienne, le programme de compétitivité et de diversification agricole PCDA a pris des mesures. Le PCDA a inscrit dans ses priorités la prise en charge de trois facteurs critiques de compétitivité, à savoir le matériel végétal, en mettant l'accent sur la multiplication des variétés fortement recommandées par les marchés de l'intérieur comme de l'extérieur. L'itinéraire technique de production, l'irrigation de la mangue qui permet de régulariser la production et donc de vaincre le phénomène d'alternance dans le cycle des récoltes. Les participants, tout en connaissant le poids de la filière mangue dans notre économie, ont fait entre autres recommandations. Élaborer un système fiable de collecte, d'analyse et de traitement des données de campagne. Mettre au niveau de chaque verger un cahier de collecte d'informations, sensibiliser les acteurs pour la fourniture effective des données. En cinquième région, le projet d'appui et d'accompagnement des populations déplacées de Mopti vient de procéder à la troisième distribution gratuite de produits alimentaires aux populations déplacées de la région. Plus de 1034 ménages bénéficieront de cette distribution, nous signale Aminata Touré depuis Mopti. Cette troisième distribution gratuite de denrées alimentaires aux populations déplacées à Mopti par le projet d'appui et d'accompagnement des populations déplacées à Mopti PADMO porte sur 99 tonnes 135 kg de riz, 11 tonnes 896 kg de haricots et 3 965 litres d'huile végétale.
Elle sera au profit des 1034 ménages comme à la distribution précédente. Nous sommes à la troisième et jusque-là, vraiment, nous n'avons rencontré aucun problème. Les autorités locales, régionales, les collectivités, les ONG partenaires, tout le monde y a contribué. Toujours selon le coordinateur, des dispositions nécessaires au rapatriement d'environ 1200 personnes qui le souhaitent vers leur localité d'origine ont été déjà prises. Deux conventions ont été également signées avec des organisations de femmes pour la formation de 220 femmes dans des activités génératrices de revenus. Je voudrais encore une fois rappeler à celles-ci, celles des populations du Nord, que la bienveillance des organisations humanitaires et l'hostilité des populations d'accueil ne doivent pas nous faire oublier la nécessité, j'allais dire le bonheur, d'un retour dans leur localité d'origine afin de pouvoir contribuer à l'œuvre de construction nationale. Il est à retenir que pendant une semaine, les agents du PADMO, appuyés par des bénévoles de l'Association des déplacés des zones occupées du Mali, seront mobilisés pour répondre aux besoins nutritionnels de leurs compatriotes à la mesure des possibilités de l'Association malienne des villages d'enfants SOS et de leurs partenaires. La brigade territoriale de la gendarmerie de Kenyeba vient d'arrêter un groupe de 15 malfrats qui sèment la terreur dans les communes de Dabia et de Sitakli. La bande de Toumani Sissoko, comme on l'appelait, a perpétré des attaques à main armée entre juillet et septembre, tuant deux personnes. Elle a également enlevé environ 18 millions de francs CFA et des quantités importantes d'or. Le compte-rendu depuis Kay de Mahamadi Alioubari. Les 15 malfrats qui viennent d'être arrêtés par la brigade territoriale de la gendarmerie de Kenyeba ont à l'air actif 4 attaques, dont 3 dans la commune de Dabia. Ainsi, Wali Sissoko et un membre de sa famille ont été sérieusement molestés et dépossédés de 3 millions de francs CFA, de plus de 20 grammes d'or et d'un fusil Baïkal. La deuxième attaque s'est déroulée dans le hameau de Nyoni, où M. Korka a été la cible des assaillants qui ont emporté 4,5 millions de francs CFA et 85 grammes d'or. Une femme a été tuée dans cette attaque. Dans la famille de Falaï Kamistoko, village de Walia, les malfrats ont enlevé plus de 7 millions de francs CFA. La quatrième et dernière attaque a eu lieu à Sakola Bada, dans la commune de Sitakili. Bilan, un mort et deux blessés. 3 millions de francs CFA, 220 grammes d'or, un appareil détecteur de météo et un ordinateur portable ont été emportés par les malfrats. Dans la nuit du 7, avec cette dénonciation, avons appréhendé le sieur Toumani Sissoko, magicien de son état et résident dans le village de Bilali, Santo, premier rang de Dabia. Interrogé, il a avoué les faits. La collaboration de la population aura permis à la gendarmerie de réussir ce joli coup de filet. Ma reconnaissance à la population de Kenyeba qui, pour m'avoir montré encore une fois de plus, les aides des gendarmes qui résident en elle par la fourniture des renseignements qui nous ont permis l'arrestation de ces nombreux malfrats. Toumani Sissoko, magicien de son état et sa bande ont été mis à la disposition du juge de paix à compétence étendue de Kenyeba. Et en sport basketball, Afrobasket Maputo 2013, en ce moment, le Mali joue contre l'Angola. Et au moment où je recevais cette nouvelle, le Mali est mené 37-35 dans le troisième quart-temps. Vous pourrez suivre la suite de la rencontre des Aigles d'âme sur TM2, l'autre chaîne de télévision de l'ORTM. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, Khadija Toukouane à 10h et 13h, je serai là pour l'édition du soir. Excellente nuit à tous.